Ok, on prend quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, papa, bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Ambam. Ambam. Ambam, Ambam vers Kyoshi. Oui, Ambam vers Kyoshi. Waouh, ça c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Alors, dites-nous. Blondine, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ce matin? D'accord, je vous écoute. Papa, mon premier sujet de prière, je voudrais que le Seigneur m'accorde un mari. Papa, je ne voudrais pas finir comme ma mère. Vous voulez que... Je voudrais finir sans mariage, toujours dans le ciel. Papa, je voudrais un homme. Mm-hmm. Et je voudrais une santé pour moi et pour mes enfants, papa. D'accord. Nous allons prier au nom souverain de Jésus que le Seigneur vous accorde un mari, ok? Mais est-ce que vous êtes prête déjà pour le mariage? Parce qu'il faut aussi comprendre ça. Il faut que votre caractère soit... Parce qu'il y a des soeurs qui font comme ça, qui font comme ça, on prie, après elles tapent le mari tes mains. Ok, d'accord. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que ma soeur, ma fille soit bénie. Que l'homme qu'elle a demandé lui soit accordé. Que Dieu vous accorde un mari au-delà de ce que vous pensez même. Recevez ce don avant la fin de cette année. Qu'un signe marital s'attache à votre vie. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'attends. Allô? 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 Oui, écoutez. Je voudrais écouter. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Gérard. Ok? J'ai vu un monsieur qu'on appelle Gérard. Comme si vous l'avez connu dans le passé. Ça fait longtemps. Un monsieur qu'on appelle Gérard. Hein? Gérard, qui vous avait fait la cour et qui vous aimait, hein? Oui, papa. Et à l'époque, vous avez commencé une relation, mais ça n'a pas marché. Vous vous êtes découragé. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. D'accord, à l'époque, il vous avait donné son numéro. Ça veut dire qu'il vous avait donné un numéro. Un numéro qui commençait par 656 661. Allô? Oui, donc il vous a donné... Voilà, oui, je sais, vous avez perdu. Donc maintenant, écoutez, j'ai vu, parce que quand vous parlez du mariage, j'ai vu Gérard en train de vouloir vous chercher pendant que je suis en train de parler. Vous comprenez? J'ai vu Gérard en train de vouloir, c'est-à-dire il est en train de penser à vous, alors je suis en train de parler et son cœur est en train de vouloir se retourner vers vous. Et je vous suivez. Donc, ça veut dire que cet homme va vous appeler. Il va vous appeler Gram Anadrasma. Il va vous appeler. Et j'ai vu un autre monsieur qu'on appelait Yves. Un jeune homme qu'on appelait Yves. Et ce Yves, oui. Ce Yves-là, c'est aussi quelqu'un qui vous a dragué dans le passé. Oui, papa. Ça, c'était un jeune homme que vous aimiez. C'était un très bel homme. Oui, papa. Hein? Un homme qui avait la carrure, le genre d'homme que vous aimez. Mais c'est Yves qui vous a largué. Lui vous a déçu. Hein? Oui, papa. Lui vous avait déçu à cause d'une autre fille. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Oui. Oui, vous avez déçu à cause d'une autre fille qui était même comme une amie à vous qu'on appelait Mélanie. Oui, papa, je connais. Et c'est Mélanie qui vous a arraché Yves. J'ai aussi vu Yves en train de revenir. Vous comprenez? J'ai vu Yves en train de revenir. Lui, c'était un numéro Nextel qu'il vous avait donné, qui était comme 66660. Maintenant, écoutez. Dieu vous prouvera que vous avez parlé à un prophète. La seule chose que je vous demande, c'est d'être fidèle et loyal. N'oubliez pas le cri du rocher duquel vous avez reçu cette prophétie. Craignez Dieu, humiliez-vous. Dieu vous donnera un mari avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Amen, papa. Voilà. Bye.